que personne ne bouge. C'est une scène de crime. Ah, scène de crime. Enfin, moi, si je peux donner une suggestion, je pense juste qu'elle est endormie. Hein. Oui. Pop. On est par ici. Je vais vous montrer. Petit 1, le corps est exposé sud-est. Petit 2, petite odeur de soufre. Et petit 3, ouf, le pH est élevé. C'est pas un accident, les amis. C'est un meurtre. Wow. Et? Et le coupable est parmi nous. Et moi? Hercule Poirot? Eh ben, j'ai du travail. On pourrait peut-être juste regarder les vidéos d'image surveillance, non? Exactement. Voilà. Voilà. Alex, pour pas me hacker cette caméra, please? Bah, évidemment, c'est dans mes skills, JB. JB? Hein? Poirot. Hercule Poirot. Alors, ça n'a pas de sens. Enfin, si tu veux un blaze, à la limite, j'en bappe, tu vois. Mais enfin, je vois pas pourquoi tu devrais faire ça. J'y vais, du coup. Mando. Mando. Yonde-gando. Ah! Hercule cherche, Hercule trouve. Regardez-moi ça. Elle a de la boue sur les bottes. Elle est allée dans la terre? Étalée. Oui, elle est allée. Elle est passée par le jardin. D'accord. Ouais, en attendant, il va falloir m'expliquer pourquoi Gwendoline a aussi de la boue sur les bottes. Parce qu'elle aussi est allée dans la terre? Enfin, elle est passée par le jardin? Moi, je pense que Gwendoline a une petite discussion musclée avec Ariane. Et ensuite, comme si de rien n'était, hein, elle a installé le corps dans le salon pour faire croire un arrêt cardiaque. Ah, j'y suis presque. Ah merde, j'y suis pas presque en fait. J'ai une luxation de l'épaule. J'aurais jamais pu déplacer le corps jusqu'ici. C'est vrai, ce mensonge? Mais t'avais pas mal à la jambe? Le genou, c'était la semaine dernière. Ah, pardon. Il est bon, cet Hercule. Alors, petite Colette, on en pense quoi de cette petite plaie ouverte? La pas de plaie ouverte, Colette. Ouais, la pas de plaie ouverte, hein. Je parlais de la victime, Pedro. Oh. Je pense que tout à l'heure, quand Colette faisait ses entraînements habituels, une petite maladresse de sa part l'a conduit à sa perte. Des erreurs qui coûtent bonbons. N'est-ce pas, ma petite Coco? J'étais tranquille en train de faire la cuisine pour ce soir. Les gars, j'ai besoin d'aide. Ils me demandent de faire une mise à jour Windows 12. Vous savez quoi faire? Parce que moi, je sais pas. Enfin, je la fais ou pas, la mise à jour Bah, essaye. On verra ce qu'il faut pas faire. De toute façon, ça reboot tout. Ça reboot tout, du coup. Sans déconner. Ah! Cette fois, j'ai la preuve. Nous allons pouvoir élucider ce mystère. Car le coupable est juste devant nous. Pedro. Wham! Eh oui! Jalouse de la relation amoureuse qu'Ariane entretenait avec son amant Patrick, tu as décidé de l'éliminer. J'ai pas de chien. Oui. Je le savais. T'as pas de chien. T'avais pas un teckel? Un petit teckel? Non? Mais il nous manque Mr. Alex Spalding. Il aurait très bien pu nous contaminer avec un virus. J'ai les images, c'est bon! Ariane, lâchez les timbres. Je le savais, elle est allergique aux arachides.
dans le doux éclat de tes yeux. Patrick, mon cœur trouve les cieux. Ton amour est mon plus grand trésor. Patrick, je t'aime aujourd'hui et encore.